Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour le mode rival qui est sorti hier. Donc oui, on a un nouveau mode rival qui est arrivé, ça s'appelle Chasse au Rhino. Donc partie 1, il y a 3 trois parties comme ça. Donc il y a une équipe, en fait il y a une équipe de 2 joueurs qui sont dans un tank chacun. Et une équipe de 5 joueurs je crois, ou un peu plus dans notre équipe. Dans la deuxième équipe, qui ont des voitures comme vous voyez là, la petite... merde, je sais plus comment ça s'appelle là. Bref, des des buggy, voilà, ils ont des buggy un peu, des voitures un peu comme ça, vous allez voir. Et en fait, le but, ils ont des grenades illimitées, des bombes illimitées, et ils doivent lancer des des bombes illimitées sur les tanks pour les exploser. En fait, il y a un chrono et plus un barre de niveau du tank pour le faire exploser. En fait, il y a un barre de niveau et en fait, bah, les gens qui lancent des mines dessus, en fait, ça doit exploser pour tuer les personnes qui sont dans des tanks et les gens qui sont dans les voitures. Dès qu'on les tue avec les tanks, par exemple nous là, nous deux on va être dans les tanks je pense, on doit tuer l'autre équipe, et dès qu'on les tue bah, en fait bah ils explosent mais ils peuvent revenir à la partie. Donc du coup voilà, et je voulais faire aussi merci, juste 2 petites minutes, on est passé à 1700 abonnés, donc un gros merci à vous tous. Donc GG à vous tous, un dédicace à tout le monde qui me suit. Donc merci, ça me fait super plaisir. Donc j'espère qu'on va dépasser un peu la barre des 900 ou un peu plus. Donc du coup voilà, ça me fait super plaisir, on est arrivé à 1700 abonnés, c'est super cool. Du coup voilà, désolé si je pousse toujours. Donc vous voyez, on est dans un tank, on a les 2 barres de niveau de chaque tank. Et on doit exploser les voitures qui arrivent et tout. C'est vraiment cool, une activité, un mode rival comme ça. Et pour gagner, bah bien sûr, il faut que le chrono descende pour que nous qu'on gagne, ceux qui sont dans les chars, eux, ils doivent bah, détruire les 2 tanks pour gagner. Donc du coup voilà. Il y en a 3. Je sais à peu près, j'ai regardé, il y en a un ici. Le deuxième, oui, le deuxième, je suis pas sûr, c'est à l'aéroport. Et l'autre, c'est sur un chantier, vous allez voir. Je vais faire les 2 autres quand même, je vais faire les 3. Pourquoi ça fait voir la suite. Donc vous inquiétez pas. Après, ça dépend combien ils ont mis de manches. C'était en 2 manches ou en 4 manches. Après, ça dépend. Ouais, dès qu'on arrive sur les voitures, ils explosent. Ou dès qu'on tire dessus, ça explose. C'est vraiment cool. Donc faut bien essayer de s'enfuir. Parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment dur. Donc le but, il faut s'enfuir là. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé si vous m'entendez tousser, mais ça me saoule, en fait je suis pris de la gorge. Et du coup là, même si je prends du sirop, ça fait rien. Ça m'énerve. Fuite du temps. Ah, il y en a un qui va exploser. Comme char, je crois que c'est moi. Voilà, j'ai explosé. Il reste mon collègue, mon. J'espère qu'il va pas mourir. Ouais, il reste là et ouais, il va exploser. Bah non, faut pas rester là. Reste pas là. Pars. Ouais, il reste là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Non, bah ouais, c'était sûr. Donc on a perdu. Donc il restera la deuxième manche. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc la deuxième manche. Donc ouais, on a perdu. Donc donc ouais, on était dans les chars. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, on a des grenades illimitées. Ça c'est classe. C'est dommage en mode en ligne, genre comme ça, on peut pas avoir des choses illimitées. C'est un peu plus facile pour s'en acheter des fois. Ça va vraiment pas mal. Vous allez voir, là, on peut lancer plein de grenades. En plus, si par loin. Ou c'est moi qui ai jamais fait gaffe. Désolé. Ou c'est moi qui ai jamais fait gaffe. Mais vous allez voir les grenades, bah voilà, ils sont bien illimités. Ils partent vraiment loin les grenades. Les grenades. Grenades. Donc du coup là. Dites-moi si vous avez fait ce mode rival, si vous avez aimé. Dites-moi aussi si vous l'avez eu sur d'autres PS3, les anciennes consoles, PS3 et Xbox One. Xbox 360, désolé. Si vous l'avez eu le mode rival ou pas, et juste pour savoir comme ça, et dites-moi bah, si vous avez kiffé ce mode rival ou pas, si vous avez pensé autre chose, je sais pas, plus
plus de choses dessus. Il y a des endroits qu'on peut pas y aller dans la map, comme en dessous les hangars, on peut pas rentrer en dessous les hangars. Donc du coup voilà, c'est un peu dommage. Ils ont pas, on peut pas aller un peu partout. On peut pas déjà sortir des véhicules. Donc vous voyez là, on peut lancer plein de grenades. Donc voilà, faut les exploser. Putain, c'est lui qui nous a explosé. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous avez kiffé. Merci encore pour les 1700 abonnés. Ça me fait super plaisir. Donc grosse dédicace à vous tous et un gros merci à vous tous. Je vous kiffe. Ça me fait super plaisir. Mais du coup voilà. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Je sais, je me répète, mais voilà. C'est un peu normal. Donc venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, il n'y a pas de soucis. Je vais faire les deux vidéos qui vont arriver précédentes. Les modes rival aussi, c'est les suites. Les deux suites que je vais faire aussi, vous inquiétez pas. Donc du coup voilà. Donc un max de j'aime, un max de commentaires. Si vous voulez poser des questions, allez-y, n'hésitez pas. Et aussi de partager la vidéo si vous avez kiffé, bien sûr. Et un max de j'aime. Et un max de vues, c'est un peu mal. Donc du coup, on arrive bientôt. J'espère qu'il ne reste plus qu'un. Ouais. Allez. Yep, on l'a explosé, c'est trop cool. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a kiffé. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao, bye bye, allez, salut, salut, salut!